Coucou tout le monde, on se retrouve pour un petit haul action. Oui, donc j'y étais aujourd'hui encore. J'ai voulu faire une journée avec ma mère, comme la dernière fois j'y étais, mais j'ai été toute seule parce que je devais l'emmener à un rendez-vous à l'hôpital. Et du coup, là, on s'est fait un petit peu plaisir. On a été se promener, voilà. Profiter avant de peut-être, au cas où, si un confinement. Donc j'en ai profité parce que je cherchais les. Pour ancrer à Action, là, les encreurs à Action, vous savez, la petite poignée avec les différentes mousses, et il n'y en avait toujours pas, donc bah, du coup j'ai été, mais j'ai pas été pour rien parce que du coup j'ai pris autre chose. Donc voilà, j'ai pris. Si j'arrive à me sentir. Donc je vais commencer par ceci. Donc j'ai pris deux blocs comme ça parce que ça part assez vite. J'ai pas pris grand chose à Action, hein. Franchement, ça va. J'ai pris ça, donc 1,95€. Vous savez, les différentes feuilles comme ceci. Oups, là, mon ticket de caisse, il s'est envolé. Donc voilà, j'en ai pris deux parce que voilà, ça part assez vite. Et au moins, si c'est fermé, j'ai de l'avance. Normalement, j'en avais encore, mais bon, on sait jamais. Hein. De toute façon, c'est jamais perdu ça. Le blanc, le noir et le craft, c'est des choses qu'on utilise quand même assez souvent. Je vais mettre ça à côté de moi pour ranger au fur et à mesure. En scrap, j'ai trouvé ceci. Donc ça, c'était au rayon papier cadeau. Donc j'ai pris ceci. J'hésitais à les prendre, mais ceux-là, ils ont du très beau ruban rose. Pour les naissances, j'ai trouvé beau. Après, il y en avait dans les tons noirs et dorés. Bon, ça me plaisait moins. Après, dans les tons bleu et vert, je crois. Enfin, il y avait différentes couleurs. Moi, j'ai craqué sur celui-ci. Ça, c'était... Donc ça, par contre, c'était pas dans le rayon scrap. Hein. Comme je vous disais, c'était dans le rayon papier cadeau. 1,79€. Les 14 pièces. Donc voilà, ça, c'est nouveau. Et franchement trop beau, il y a du gris, là il y a du rose marqué Birthday from me to you. Enfin voilà. Après un rose avec des vagues blanches, du blanc avec des points gris, du ruban organza, donc en rose et en blanc. Et un de mes cheveux qui s'est collé. On a du gris, c'est du blanc, enfin voilà, du argenté brillant. Enfin différentes couleurs, donc ça c'est super. Et ça fait 1,5 m chaque rouleau. Donc il n'y en a pas énormément dedans. Donc, mais bon, ça pour faire des fermetures d'albums, pour mettre sur des capteurs de rêve, ou enfin, etc., etc. Ou faire des petits nœuds. Voilà, c'est jamais perdu. Bon, j'en ai plein des rubans, mais celui-là est vraiment joli. En scrap, toujours, j'ai repris celui-ci parce qu'il est vraiment très joli. Avec le chat. Donc je vais faire ça. Peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Je vais peut-être en confier un à ma mère. Elle en a fait un la dernière fois. Je ne l'ai pas encore vu, celui qu'elle a fait. Non, avec les fleurs. Donc dans les mêmes boîtes comme ça, mais avec des fleurs et il y avait le papillon. Moi, j'ai fait le papillon et elle a fait un avec des roses. Voilà. Franchement, il est trop mignon, ce chat. Voilà, donc ça... ça devait être 2€ et quelques. Boîte 1,29€, non? Non, c'est pas ça. Non, faites votre 1,84€. Il y a 4 cartes dedans, donc ça c'est bien. C'est pas mal. Après, ce qui est pas vraiment scrap, donc j'ai pris ça pour faire. Pour ranger. Je ne sais pas encore quoi. Elle est vraiment très jolie, non? C'est un papier brillant ici, un papier pailleté. Enfin, ça fait comme des paillettes dessus. Et franchement, je la trouve belle. Il y en a en bleu aussi. Alors, j'ai craqué sur ça. Donc ça, je pense j'ai une idée de rangement, mais c'est un secret. Je la mettrai dans ma scraproom parce que moi, ma scraproom, elle est du coup noire, blanc. Et du coup, ça gênera pas. Non, j'ai une petite idée, mais je vous dirai pas. Du coup, je cherche
Je cherche. Boîte 1,29€, oui, c'est ça. Elle est vraiment très jolie. Et j'ai trouvé aussi des petites boîtes de Saint-Valentin. Alors, je les pensais plus grandes, mais je les trouvais vraiment très belles. Donc, j'en ai pris deux. Ça, en décoration sur la table, je pense que c'est ce que je vais faire. Donc, voilà. Avec le petit cœur ici, je sais pas si vous voyez, il est en 3D. Ils ont mis de la mousse 3D en dessous. Et ça, bah, j'en ai pris du coup deux. Et c'était 1,74€. Donc ça faisait 1,40€ les deux. Voilà. J'ai pris les deux mêmes parce que voilà. Après, il y avait un où c'était rouge ici, mais avec le cœur rouge, ça faisait bizarre. Et ici, c'était un peu le même genre qu'en haut, mais en bas. En fait, les couleurs étaient inversées. Et moi, j'ai craqué sur ces deux-là. Donc ça, pour décorer ma petite table de Saint-Valentin, je vais essayer d'en faire une. Par contre, on fêtera la Saint-Valentin avant, je pense. D'habitude, je ne m'achète pas des bijoux, enfin des boucles d'oreilles, mais là, je voudrais essayer d'en mettre, voir. Ça fait un moment que j'en ai pas mis, donc je sais pas si mes trous ils se sont rebouchés, mais on verra. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais essayé, donc c'était pas encore bouché. Et j'ai trouvé cette boîte de boucles d'oreilles Swarovski. Je sais pas, ça, c'est vraiment voilà, de la qualité, mais elles sont trop belles, regardez. Donc on a un gros diamant et un petit diamant, faux diamant évidemment. Donc voilà. Elles sont vraiment très jolies. Et ça, c'était 2 euros et quelques. Voilà, 2,69€. Donc, dans une belle petite boîte, comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Donc, à essayer. Et j'ai trouvé cette boîte. Bon, c'est surtout la boîte que j'ai flashée. Mais il y a pas mal de petites boucles d'oreilles aussi. Comme, bah là, c'est des perles. Donc, je suis pas très fan des perles. Mais bon, je pourrais les réutiliser pour le scrap, on verra. Et en fait, moi, c'est celui-là avec les petites perles. Les petits diamants, on va dire. Pas les gros, mais je pense que les petits, pour que ça soit discret, voilà, j'aime pas quand, voilà. Parce qu'en plus, comme je suis pas habituée à avoir des boucles d'oreilles, j'ai l'impression que quand je mets un truc, j'ai l'impression qu'on me tire l'oreille, donc voilà, je voulais un petit truc, et en fait, on est dans une belle petite boîte, qui est vraiment très sympa, avec le petit nœud rouge comme ça, et une petite poignée ici pour prendre. Donc je trouvais ça pas mal. Donc là, il est attaché, mais en fait, on retourne, et ça fait une petite boîte, même pour offrir, c'est sympa. Donc voilà, j'ai pris ça, essayez les petites boucles d'oreilles, voir. Et ça, c'était 1,99€ les 16 pièces, donc voilà. Et rien à voir avec du scrap, pas encore. Hein. Moi, je me suis pris une brosse. Parce que comme la mienne, elle commence à être sale, et comme je sais pas vraiment comment les nettoyer, et puis de toute façon, une brosse n'est jamais perdue. Donc voilà, ça, c'était 1,39€. J'arrive pas, je sais pas comment nettoyer les brosses. Faut que je trouve une idée, une solution. À force de les utiliser, ça fait sale ici. Quand on enlève les cheveux, il y a comme des trucs blancs bizarres. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Voir comment nettoyer ça. Faut que je regarde sur internet. Du coup, j'en ai acheté une. De toute façon, c'est toujours utile. Surtout moi, mes cheveux ils s'en mêlent très vite. Et puis là, avec le vent qu'il y a dehors. Et j'ai pris aussi ce paquet de gâteaux. Ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est ça. Et j'avais pris un paquet. Je pensais que c'était des petits paquets. Et à la caisse, elle dit, ah, il y en a 12 normalement. Ah, du coup, j'ai été chercher. Bah oui, tous les paquets étaient cassés. Donc en fait, il y en a 12. Donc normalement, j'ai pris un petit paquet comme ça. Il y avait 3-4. Et elle a dit, non, il y en a 12. Bah, j'ai été en chercher un autre, heureusement. Qu'elle m'a prévenu, elle aurait pu... ne rien dire et laisser passer comme ça, j'aurais même pas fait gaffe. Donc là, c'est cool, c'est super bon ça, j'aime bien. J'aime bien ces petits gâteaux, ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. Donc voilà pour Action. J'ai pas acheté grand chose, donc il n'y avait pas les brosses, les petites éponges pour ancrer. Donc je verrai la prochaine fois, de toute façon, je vais sûrement y retourner vendredi, parce qu'aujourd'hui on est. Mercredi, donc je vais sûrement y retourner mercredi, vendredi. Et puis la semaine prochaine, je suis en formation dans une autre ville, donc il y aura une Action pas loin, donc pendant ma pause ou après le boulot, j'irai peut-être voir aussi si on a, on verra ça. Donc voilà pour cette petite vidéo haul Action, donc j'ai pas trouvé énormément de choses, mais c'est déjà beaucoup. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.